Merci, Monsieur le, le Président, Mesdames, Messieurs. Euh, il m'est difficile de, de conclure en, en, en fait en, en dernier euh, intervenant après un tour de table, je dirais euh, très ex exhaustif, je dirais et pluridisciplinaire sur, un, sur ce thème consacré donc à, à Jérusalem, à Al Qods et à l'avenir de la Palestine. Euh, je dirais que, que je suis dans une position en fait qui, qui consisterait à boucler la boucle je dirais qui a été ouverte par M Conessa qui malheureusement a dû nous, nous quitter, et qui a fait état donc des nouvelles radicalités religieuses, qui est en quelque sorte le sujet de mon intervention puisque je traite donc du rôle du religieux et du sacré que je sépare dans le cadre des nouvelles recompositions géopolitiques et identitaires, avec un, un souci, je dirais, de, de traiter en fait cette, cette problématique, cette thématique dans le cadre, je dirais, des lieux saints, même de, de Jérusalem. Alors, c'est dommage que M. Conessa nous ait quitté parce que je voulais rebondir un peu sur, sur sa thèse des radicalités religieuses qui me semble bien sûr très intéressante euh, puisque notre euh, notre monde, je dirais, euh, post bipolaire et, et, et vraisemblablement demain multipolaire, euh, est un monde euh, qui a subi, de, je dirais, de plein fouet euh, ce qu'on appelle euh, le désenchantement du monde, ce que Weber appelait donc le désenchantement du monde. Était en fait l'effet de la modernité et du processus de sécularisation, l'effet déstructurant sur des sociétés qui étaient, à part entière, fondées, je dirais, sur, sur des structures et une vision du monde qui était religieuse. Alors, l'autre extrême, et Marcel Gaucher en a parlé avec son paradigme de la sortie. Euh, du religieux euh, dans le monde contemporain et précisément en Occident, euh, on pourrait dire qu'on a fait table rase, je dirais, avec le processus de sécularisation de tout ce qui était référent religieux et on a en fait une sorte de, de religion, de religiosité euh, cantonnée à la sphère privée mais qui ne structure plus euh, l'organisation de la société. C'est bien donc la, la thèse je dirais, de gaucher, qui s'applique en fait dans l'Occident, euh, l'Occident européen, mais on verra qu'avec les États-Unis, le Moyen-Orient et bien sûr tous les États qui appartiennent à la sphère, je dirais, multipolaire, avec tous les États, les BRICS, les États émergents et la Russie poutinienne euh, comprise, le rôle du religieux, le facteur religieux, a beaucoup plus de poids dans, des, dans ces sociétés qui ont une conception holistique, je dirais, de la société et le facteur religieux imprègne considérablement les mentalités collectives et la structuration de la société. Alors effectivement, comme disait M. Conesa, on assiste effectivement donc parallèlement à ce processus de sécularisation, de désenchantement, paradoxalement à une recrudescence, une prolifération de radicalité religieuses qui vont donc du Moyen-Orient. Mais bon, on peut, on peut exactement voir le, le, même, le même phénomène, le même symptôme avec le réveil de l'Hindouistan en Inde, en Birmanie, en Afrique, euh, mais même sur le continent américain dont on parlait donc des évangéliques qui ont une tendance à, à s'accroître, accroître leur influence, surtout en Amérique du Sud, au Brésil, avec, en étant donc des leviers, je dirais, extrêmement politico-religieux de la politique de Bolsonaro hein, si vous vous rappelez il a, il a eu une il était extrêmement euh, s'appuyer la politique de Bolsonaro s'appuyait donc sur, les, sur le réseautage des évangéliques américains et sud-américains. Donc ce type je dirais de de radicalité s'exprime avec des formes violentes au travers ce que moi j'essaye de réhabiliter, c'est ma différence avec Monsieur Conesa, à travers des religions politiques, qui eux instrumentalisent le fait religieux en tant que facteur identitaire. La religion est un facteur, je dirais, de plus dans le marquage identitaire, parce que quand on a conscience qu'il existe un substrat, je dirais, religieux dans tout le discours politique, même dans le discours post-national et ultra-laïcard. Quand on parle d'union sacrée, quand on parle de laïcité, il y a, je dirais, un substrat qui est sous-jacent, qui est extrêmement, je dirais, religieux, mais qui est toujours à l'état latent. Euh, C'est pour ça que j'essaye je, en fait, de, de faire une distinction entre ce qu'est le, le sacré euh, et la religion. Les religions étant établies, étant institutionnalisées, euh, le sacré, lui, a, a relève beaucoup plus, je dirais, euh, de la sacralité d'un lieu, de la sacralité d'un rite. Hein. Mircea Eliade parlait donc du phénomène de l'opposition entre le sacré et le profane à, tra à travers le rituel, les fameuses hiérophanies. Que l'on retrouve, euh, euh, je dirais, euh, dans les cérémonies, même ultra laïques, les cérémonies politiques, euh, même sous, sous, la République, euh, sous la République française. Alors, euh, la persistance, je dirais, du religieux, euh, d'autre part, est tout à fait différente. Je dirais, le poids du religieux est différent dans les pays qui ont proclamé une religion nationale, religion d'État, et d'autres pays qui n'ont pas proclamé de religion d'État, qui donc exerce un droit de regard, je dirais, sur la diversité culturelle des différentes des différentes religions dans ce pays. Je dis ça parce que c'est important, parce que le phénomène de religion politique dans les États protestants, dans les États orthodoxes est beaucoup plus prégnant que dans les États, je dirais, classiquement laïques. On le voit par exemple avec euh, euh, la, la, la politique américaine qui a toujours été une politique religieuse, euh, toute politique confondue. Il n'y a pas de différence entre les, les démocrates et les républicains concernant le consensus autour de la fameuse euh, euh, destinée manifeste euh, à la fin du 19e siècle qui proclamait qu'en fait le peuple euh, américain avait une mission. Civilisatrice, messianique, euh, à travers le monde, et c'est de là qu'a été conçue, je dirais, la doctrine Monroe, Monroe, qui est quasiment, je dirais, une déclination religieuse en Amérique du Sud, à savoir euh, que les États-Unis considèrent que l'ensemble de l'hémisphère sud américain est une réserve géopolitique exclusivement marquée par l'extraterritorialité américaine. Euh, dans le domaine de la géopolitique, qu'est-ce qu'on observe Et en Moyen-Orient, euh, sur, surtout au Moyen-Orient, il y a une territori territorialisation du religieux. Alors, c'est pour ça que c'est tout le paradoxe, je dirais, de la territorialité sacrée du religieux. Euh, parce qu'effectivement, euh, tout le paradoxe, dans, dans le, je dirais, dans, ce, dans le phénomène de, de la territorialité du sacré, et c'est visible au niveau des lieux saints. C'est que la territorialisation implique un processus, une intention d'appropriation. Je dirais c'est le cas d'école en fait de la définition du géopolitique au niveau du territoire. Tout territoire est défini par une mesure d'appropriation, une mesure de cloisonnement, une mesure donc de bornage, d'établissement de frontières. Or, dans le cas, par exemple, des, des lieux saints qui sont trois fois saints, euh, qui concentrent en fait les, la foi de trois communautés euh, monothéistes, des trois religions monothéistes comme à Jérusalem et à qods nous avons donc ce paradoxe qu'il s'agit donc de lieux sacrés où on exerce un rituel, un rituel chrétien, un rituel euh, musulman et un rituel, euh, un rituel judaïque. Mais on a aussi un discours politique territorial sur sur ce lieu où, où sont concentrées donc euh, je dirais euh, trois fois religieuses monothéistes. Or le propre, je dirais, du sacré, c'est que c'est la transcendance, c'est quelque chose qui est immatériel et étant par essence universel, donc inappropriable. Ce qui explique en fait. Que toute culture religieuse et spirituelle constitue donc une partie euh, intégrante, je dirais, non seulement des religions, mais des identités euh, nationales. Euh, pour illustrer, en fait, ça, euh, ce, je dirais, ce retour, euh, ce retour du religieux, vous devez sûrement connaître le, le livre assez... Il est très connu de Gilles Keppel, la, la revanche de Dieu, qui était sorti en 1991. Je pense qu'il illustre très bien cette, cette, je dirais, cette différence entre religion politique et radicalité religieuse, dont M. Konesaf faisait état. C'est un des premiers en fait, qui pose la question du, du retour euh, du religieux, euh, qui identifie la résurgence de trois types euh, de fondamentalisme. D'une part, l'islamisme radical, avec toutes les mouvances euh, confondues de, allant du vehabisme au, au salafisme, euh, et même au, aujourd'hui le Daesh étant une extension, je dirais, euh, donc, du vehabisme à, à, à un niveau beaucoup plus, euh, plus large. Euh, le militantisme protestant, là on a une déclinaison euh, protestante depuis euh, les mouvements... D'éveil, de Great Awakening, jusqu'au mouvement évangélique de l'American First des États-Unis de Trump. Et le mouvement, Keppel parle du mouvement Teshuvah, donc en Israël, qui prône un retour au judaïsme et à l'observance intégrale de la loi biblique. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, la symbiose, je dirais, entre le sionisme laïque et euh, la radicalité religieuse des ultra-orthodoxes qu'on nomme aujourd'hui le sionisme religieux, et en fait cette troisième composante qui est actuellement donc intégrée, je dirais, à la politique même, euh, à la politique même euh, donc d'Israël. Euh, le Président me fait part que j'ai que deux minutes, alors je vais, je vais, je vais rapidement euh, passer euh, donc à la conclusion. <laughs> euh, alors la, la conclusion, après avoir fait état, mais vous l'aurez donc dans, dans mon texte hein, qui sera publié, avoir Fait état, en fait, d un, d de la, du rôle, je dirais, de la violence dans le sacré, dont René Girard faisait part, à savoir, je dirais, la, la régulation de toutes les communautés politiques à travers la tentation de faire violence avec, en instrumentalisant le sacré à faire violence à une communauté différente avec le fameux paradigme donc, du désir mimétique et du bouc émissaire, euh, on voit finalement que dans les lieux saints à Jérusalem, à Al-Qods, on assiste non pas à, je dirais simplement, une violence sacrée, mais à une violence au lieu même sacré. Donc il y a une violence qui est faite euh, au sacré, car si l'on procède donc par analogie on pourrait donc conclure in extenso que la sacralité des lieux saints à jérusalem constitue des sanctuaires qui sont partagés puisqu'ils s'interpénètrent ils s'enchevêtrent dans un tout petit périmètre et que par leur dimension sacrée ils ne constituent en fait ils ne peuvent pas constituer un espace profane c'est-à-dire une propriété. Quand on parle de propriété, euh, on voit que la propriété au niveau profane, dans les différents pays, dans les sociétés occidentales, alors aux États-Unis beaucoup plus, la propriété fait partie de la déclaration des droits de l'homme euh, et du citoyen de, 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 euh, comme un droit non seulement fondamental, mais comme un droit sacré. Alors vous voyez donc qu'il y a une, en fait une sacralisation, euh, je dirais, d'un concept qui est. Purement profane. Euh, ma thèse, en fait, c'est de dire qu'on euh, euh, ne peut traiter les lieux saints euh, comme un simple dominium, comme une simple propriété, une location qui serait vouée donc au vicissitude euh, juridique du droit positif et qu'il agit euh, donc euh, euh, sur ces lieux qui, en principe, devraient échapper. À l'emprise d'une propriété profane exclusive. On ne peut séparer l'enveloppe physique territoriale de ces lieux saints et le domaine immatériel divin sacré qui, par cette singularité même, devrait être soustraite aux lois du domaine profane et de l'ordre positif. Et je pense que ce n'est qu'en proclamant la désaffection, en proclamant en fait le caractère universel et sacral de ces lieux saints, euh, ce qui a été fait donc, avec des appels au respect du status quo euh, des lieux saints, euh, qu'on devrait renforcer donc, au niveau international euh, une forme de status quo, euh, je dirais, non pas seulement euh, politique, mais un status quo euh, sacral, à savoir donc euh, d'élaborer ou de renforcer un statut des lieux sacrés qui serait soustrait à l'activité juridique euh, des particuliers, des lieux sacrés étant par essence l'émanence d'une transcendance commune extraterritoriale. Euh, il y avait des tentatives donc de création de ce type de statut. On sait qu'en 1947, il y a eu une volonté euh, d'un statut international extraterritorial qui est tombé à l'eau. Mais je pense que euh, c'est l'une des clés, à mon avis, en ce qui concerne donc la protection et le statut des lieux saints qui instaurerait, je dirais, qui rendrait à ces lieux saints leur vocation de sacralité. Je vous remercie.